Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nzambe azolokumu, nzambe azwakembo pe masancholi, na ndenge asalibiso ngolu ya kopusa na susu liboso na ye, na ndenge abateli biso weekend oyo, wana tozoke na kosilisa yango, nzambe azolokumu. Na rendez-vous na biso lisusu na kilti na biso ya mokolo lelo. Alors bien-aimés, nous allons élever le nom du Seigneur, recommander ce temps entre les mains du Seigneur, afin que Kolo a assisté biso, Kolo a sunga biso, Kolo a eba kokamba biso, kati na tango oyo topusani liboso na ye nzambe na bomoi. Yango wana bien-aimés, toujours kende na kokumi sans nzambe, toujours kende kozwa ta, yako neto la nzambe, yako pambo la nzambe, oya pesi biso tango yo, oya pesi ngaina yo, tango oyo yako pusa na liboso na ye, e pesa meri batonyo so tute bien aimé, me yo zwingolu yako pusa na liboso na nzambe, o zwingolu yako loba emo liboso na nzambe, o zwingolu yako zala na souffle de vie, Ozungolu yako tambula, Ozungolu yako loba, Ozungolu bien-aimé, yango esenge na biso kozala reconnaissant liboso na nzambe na bomoi, kopesa nzambe wana merci, oya obatela, oya zoko sunga, oya zoko sala makamba minene na bomoi na biso, oya zoko batela mabota na biso, oya zoko batela ba entreprise na biso, Zambe wana za malamu bien-aimé. Esenge na biso kokumisa ye. Esenge na biso kopambola ye bien-aimé. Esenge na biso konetola ye. Po aza malamu bien-aimé. Aza malamu nzambo yo. Aza malamu nzambo yo. Aza malamu bien-aimé. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu bien-aimé. Yango to kumisa ye. To pambola ye. Banda kopambola nzambe bien-aimé. Banda konetola nzambe oyo apesi biso souffle de vie. Bana koloba sunga nzamba kuma manaye. Na oyo tango apesi biso bien-aimé. Apesi yo kimi, apesi yo sante, abateli libota na yo, abateli foye na yo. Wane loko te akopesa na nzambe soki kembo lokuma sanjolite. Bana koloba na ya kuma ma bien-aimé. Bana koloba na ya sanjolama. Bana koloba na ya netolama. Nzamba za malamu bien-aimé. Zamba za bolingo, alingi yo mingi, alingi libota na yo, yango bozo vive tikino lelo oyo, parce que nzambe, aza bolingo, azo manifeste grâce, azo manifeste son amour, sa miséricorde, sa bonté, natina na bomoi na yo, yango tozo koneto la nzambe na bomoi, yango tozo ko pambo la ye, yango tozo koneto la ye, tozo ko banayaku mama, Tuzolo banaya sanjolama, anetolama na ye. Hallelujah. Nzambe merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Dieu de grâce. Oh, Seigneur Dieu tout puissant. Tika kombo na ye kuma manza. Oh, éternel et Dieu tout puissant. Nzambe na bon monde. Oza monzoto na ngaya tongo Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Hallelujah. Oh, Zambe yondo ngengisi banzela nanga inyoso. Yondo zo batela nga yozo batela libota nanga Yesu. Yondo zo kosungo zo komimoni sama Zambe na bomoi. Na pesa yon nini Zambe na vikamwa. So ki kembo lokumu masanjolite Yahweh. Tika nga ina pambola yo Yesu. Tika nga ina netola yo. Tika nga ina sanjola yo. Oza malamu Yesu. Oza malamu kolo na bomoi. Kembo lokumu masanjo lye zonge paina yo zambe na banzambe. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, éternel et Dieu tout puissant. Alléluia. Okuma mana yo zambe, okuma mana yo zambe. Éternel et Dieu tout puissant. Zambe, merci Seigneur. Banako kumi sans nzambe bien aimé, banako pambo la nzambe, oya peshi yo tango yo, banako neto la nzambe na bomoi, banako zongi sa lokumu epai na ye, banako sanjo la ye,
Koloba ete akuma ma, koloba ete sanjo la ma. Alléluia, mon santo, zamalam. Oza malamu Seigneur Jésus, oza malamu Seigneur Jésus. Oza malamu Yahweh na vos moi, oza malamu Yahweh na vos moi. Oza malamu Yesu Masia, oza malamu. Tika nga ina pambola yo, tika nga ina netola yo. Oza malamu éternel Dieu tout puissant. Oza malamu Yahweh zambe na Biblia. Oza malamu Yahweh zambe na Nguya. Oza malamu kolo na bomoi. Oza malamu éternel Dieu tout puissant. Oza malamu Yesu Masia. Oza malamu kolo na ngai. Oku mama na yo. Oku mama na yo, oku mama na yo, oku mama na yo, oza malamu Seigneur Dieu de grâce, alléluia. Eh bien aimé, banako tika bomo ina yo pa ina nzambe, banako loba na nzambe, eta sunga yo na tango pusa ni liboso na nzambe. Loba na nzamba sunga yo, na molimo mosantu e sunga yo, afin que o benefise na grâce nzambe na tango. Na makambo yo nzamba bongisi po na yo na poko alelo na pwe midi oyu. Ete nzambe asunga yo, nzamba sunga yo, nzamba sunga yo, nzamba sunga yo. Banda kolobe pa ina nzambe, banda kolobe pa ina nzambe bieneme. Yono pusene pa ina nzambe, banda koloba emoli boso na nzambe na tina na bomo ina yo. Banda koloba emoli boso na nzambe na tina na lolengo yo puseni li boso na nzambe. Banda koloba emo bieneme. Alléluia. Banako se confie pas en Nzambe. Banako mitike pas en Nzambe. Banako tali sans Nzambe. Ba posa motema na yo. Banako le pas en Nzambe na tina libota na yo. Banako le pas en Nzambe na tina na projet na yo. Banako le pas en Nzambe na tina vie chrétienne na yo. Na tina ministère na yo. Na tina na ba grâce, ba don o ezakati na yo. Banako le pas en Nzambe. Banako le ba. Alléluia. Oh, mon santo za malamu. Mon santo yo za malamu. Mon santo yo za malamu. Mon santo yo za malamu. Éternel est Dieu tout puissant. Yahweh, nazo ko confier pa ina yo moment oy. Nazo confier pa ina yo mes bien-aimés. Eh, hey, Seigneur Jésus, banako simba, banako mimonisam. Katina moko na moko, éternel est Dieu, pousseni ni bosona yo. Yo nde zambe na bon moi. Tanda lo boko na yo, Yesu. Tanda lo boko na yo, mimonisa katina moko na moko. Yahweh, to pousseni na pamba te li bosona yo. Sala quelque chose, zambe na bika moi. Yahweh na nguya, to bimane sika oyo, to pousseni ni bosona na pamba te zambe. Tobim avec un bagage, Seigneur, avec quelque chose. Oh, ye outie païna yo zambé. Ke malobo et tokoyo kan zambé. Et de la grave na mité manabiso. To vivre yango, Seigneur Jésus. Na bon moi na biso zambé na bon moi. Éternel est Dieu de grâce. Éternel est Dieu tout puissant. Nazo confie moment oyoyon sur ma boko na yo. De vie jusqu'à la fin, Seigneur. Que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, ça la manifeste. Bien aimé, manako bondela, molimo mon santo sunga yo. Bondela, Saint-Esprit, attendi sa makati na yo. Bondela, molimo mon santo, mi moni sa makati na bomo ina yo. Et que zamba sale no susuma l'amour. Zamba mona yo, zamba yo kalibonde lina yo na tango yo. Zamba simba yo, zamba aeba ko visite yo na libota na yo. Na kombo na Yesu Masia. 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 Éternel est Dieu tout puissant. Éternel est Dieu tout puissant. Yonde zambe. Mona libota na yo pousseni liboso na yo. Visitez peuple na yo zambe. Touche Dieu tout puissant. Saisis mon ko zambe languya. La grâce de Dieu dali kolona mon ko. La puissance de l'éternel est simba mon ko. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Éternel est Dieu tout puissant, éternel est Dieu incomparable, éternel est Dieu le véritable, éternel est Dieu les armées, Yahweh Nabomon, Yahweh Nabomon.
Banda ko bonde l'anzambe, banda ko tika tan oyo na maboko l'anzambe, banda ko tika maloba o toko yoka na tango na maboko l'anzambe, ansenema lelo, kolo aeba ko sunga yo eba ko komponde yango, lesenema lelo, ete molimo monsanto a saisir yo, apesa intelligence a fungola esprit na yo, komponde esi di l'Eternel, oyo zamba bongi sipo na yo yoka, oyo na tan oyo toko mi na tan amabe, ete kolo sunga yo na maloba oyo ko kalelo eba ko sunga yo eba ko fortifier yo eba ko edifier yo eba ko consoler motema na yo tozo ko bondele pa ina nzambe ko tika tan oyo maloba na nzambe tan oyo parole na maboko na nzambe ete le seigneur eba ko sunga seigneur monisa ma saint esprit de dieu l'esprit de vérité l'esprit de gloire l'esprit de puissance L'esprit de puissance, manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis, l'Esprit de Dieu. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Manifeste-toi, éternel Dieu. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ouvre nos intelligences. Ouvre nos esprits, Seigneur. Afin que tu aies beaucoup saisi, pensé, yo na après-midi à l'éloza na oyo bongi sinatina na bisonza nous voulons vivre ta main puissante ta gloire éternel Dieu en ce moment-ci Seigneur Dieu que ta parole oyo zambo linkolobe la bisonza mais dans la grave na mitema na biso et va qu'on manifester grâce et quand il a vu son zambé dans bon monde. Mi monisa ma zambé, mi monisa ma na yo. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu tout puissant, manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi, 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 manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi, ô éternel Dieu, agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, agir éternel Dieu Tout-Puissant, agir Père éternel Dieu, lève-toi cet après-midi, lève-toi éternel Dieu de grâce, lève-toi Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi éternel Dieu et manifeste-toi Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, manifeste-toi Seigneur, alléluia, je confie tout entre tes mains Seigneur, je confie tout entre tes mains Seigneur, sois Alpha Omega Seigneur Yakitia Lelo, sois Alpha Omega Yakitia Lelo, sois le commencement et la fin de toutes choses Seigneur, alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Acclamons plus fort les rois des rois bien-aimés. Pambola Zambaza Malamu. Betela Yema Boko. Aza bolingo, zambo ya za malamu, zambo ya za malamu. Wakuma mana ye, akuma mana ye, Yesu Masi. Neto la ma, topesa na yo nini zam. Reçois nos acclamations, nos acclamations, nos acclamations. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Bino Moutouza connecté de partout. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur, la bonté de Dieu très haut, le Dieu tout puissant. Aïe ba soussou ko manifeste yango na bon moyina yo. Yo mouto poussani li bosso nan zambé. Yo mouto zui tango yo bien aimé. Yako yo kali soussou. Nzambe nini oya bongisi na tina na biso na poko alelo na après-midi oy que tu sois concentré bien-aimé qu'on a la distraite
Pamba te tango e pesa me li biso li susu. Yako pousa na li boso na nzambe. Tozo ko continue bien aimé na enseignement na biso. Sur le temps de la fin. Le temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Oh, ils ont déjà annoncé d'avance. Parce que notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, il annonce des choses à venir, des choses en avance, ce qui doit arriver. Mais au temps opportun, au temps marqué par Dieu Tout-Puissant. Yango tozoko lobela na mikolo yo nyonso tout, afin que bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes la parole de Dieu, sois attentif, réveille-toi, veille sur ton âme, garde-toi, prenez garde, afin que personne ne te séduise. Parce qu'à ce temps de la fin, la séduction ne yango neza arme efficace ya monguna pour séduire le peuple de Dieu, pour séduire les gens de ce monde, afin que le diable ne veut pas aller seul en enfer, mais il veut aller avec les hommes créés à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il fait de tous les moyens, parce qu'il sait, il a peur de temps. Il a peur de temps. C'est pour cela que la Bible dit, le temps est mauvais. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Les jours sont mauvais. Le temps est mauvais. Alors, vendredi passé, nous avons parlé sur l'apparition et la règne de l'Antichrist. Nous avons parlé beaucoup de choses. Mais je vais seulement, bien aimé, faire un résumé et faire comprendre au peuple de Dieu que dans ces périodes-là, ces périodes d'une semaine, où est-ce la prophétie à 70 semaines de Daniel, une semaine, parce que aujourd'hui l'église, nous l'église, nous sommes na break, na pause, na collade, oyo zamba sali pour que ngai na yotobika. Cette période là, ça va finir à l'arrivée de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va venir pour nous apprendre, il ne viendra pas pour régner, mais il viendra pour prendre son église. Et à ce temps-là, mettra fin à la période de break, la période de pause, la période de grâce dans Zambé, où il y a sali natine la humanité, natine la peuple, natine la nation, où il y a renimé la Yesu Masiya. Le ouin qui a été retranché, oya kondi melaye, a koti na katia periode wana, na peuple de Dieu, oya bengi, le peuple de Dieu, peuple du ciel. Le peuple du ciel, les étoiles du ciel. Oyo zambe a racheté na monkili, na ba nation. C'est pour cela. N'est pas dit que Nzambe yaba Congolais. Nzambe au Congo. Dieu n'est pas Nzambe yaba Congolais. Dieu n'est pas Nzambe yaba Français. Nzambe Yesu Masi akoya kozwa. Non seulement des Congolais. Ou va français, te Nzamba roya kozwa église. Nzamba roya kozwa église. Le Seigneur Jésus qui te viendra prendre son église.
non les Congolais, non les Angolais, non les Français, non, non. Il viendra prendre son église. Et dans cette église, là, le corps de Christ est composé dans toutes les nations. Toutes les tribus. Bah, onion, ce va qu'on dit, mais là, y est, bah, faire partie de l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Dieu a seulement des peuples. Bien-aimés, Dieu a seulement des peuples. Les peuples du ciel et les peuples de la terre. Les peuples de la terre, c'est Israël terrestre. Les peuples du ciel, c'est l'église du Seigneur, corps du Christ. C'est ça, bien-aimés, c'est ça la vérité. Donc, parmi les Congolais, on va connaître la Yeshua comme Seigneur et Sauveur. C'est eux qui seront sauvés. Les autres vont rester. Même mal à toutes les nations. Alors, tant que break aussi, là, n'est une semaine au Etikali, n'est l'Antichrist va apparaître. La Bible dit, au milieu, il y a une semaine où on a, né règne Antichrist. Né Antichrist à reprendre son règne. Zamba Pessie, 3 ans et demi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre, bien-aimés, Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11 à partir du 31e verset. Daniel chapitre 11 à partir du 31e verset, la Bible dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries, des traités de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la famine, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secouris et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ça, c'est les choses pendant la règne de l'Antichrist. Ce que l'Antichrist va faire. L'Antichrist, ce qu'on quitte, c'est Babengiye, le roi fera ce qu'il voudra. Ah, Babengiye, le roi, le dévastateur, il fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tout le Dieu. C'est ça l'Antichrist. Dans son règne, il va faire beaucoup de dégâts, beaucoup de choses. Il va cesser parce que à ce temps-là, à cette époque-là, Israël a construit déjà le troisième temple.
Baba noko zongwe ko sala ba sacrifice. Ko kumba melanzambe. Zambe na bomo. Mais tant antichrist a robana règne na yena 3 et demi. Il va cesser cet sacrifice, cette adoration à Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce que bien-aimé, akoyeba ko vanda na lieu très saint. Oyo Bible lobi na biso dans le livre de Marc chapitre. Jésus dit quelque chose dans Marc chapitre 13 verset 14. Marc chapitre 13 verset 14, la Bible dit: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, ceux qui lisent fassent attention. Alors, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Ça, pendant les périodes de la reine de l'Antichrist, quand il va commencer à régner, il va entrer dans les temples, cesser les sacrifices. Il va s'asseoir dans les lieux saints. Il va faire des choses abominables. Ils ont fait des choses abominables. Faire la guerre avec les saints. Yahweh lobi, Daniel Azoba, plusieurs succomberont. Même Jésus l'a dit. Plusieurs succomberont. Non seulement les Israélites, même ceux qui, les femmes folles, les 5 femmes folles, Oba Kotikala. L'église apostate, Oba Kotikala. Et ceux-là, bien-aimés, seront persécutés. Donc, et vous allez, tant mon corps, ils ont, non, le Bible, le bien, tant mon corps, terrible. Tant mon corps, il y a angoisse. Il y a désolation. Donc, ce que l'Antichrist va faire, il va profaner les temples. Il va faire la guerre avec les saints. Il va tuer les uns, les saints. Plusieurs succomberont. Il va détruire tout. Et la Bible dit, quand la deuxième bête va venir, le faux prophète, lui va élever la bête, l'Antichrist. Il va avoir la puissance de l'Antichrist. Il fera des miracles, des prodiges, des signes. Et il va faire de tous les moyens, tous les habitants de la terre, adorer l'Antichrist. Et adorer l'Antichrist sera tué. Donc, à ces temps-là, à ces moments, à ces périodes-là, beaucoup de choses vont passer. Le lenge moko, Nathan et Daniel, quand le roi, aïba ki ko tombo la, ou isa ki statue, que tout le monde, ce qui va yoki, na Daniel chapitre 3 à 4, ce qui va yoki kaka, Banzembo qui trompette, tout le monde va s'agenouiller devant la statue. Et pas Iwapi Yozali. Il faut Kumbama. Il faut adorer les statues. C'est l'image. Il y a tant de la bête. Dans le temps, il y a Antichrist. Il y a règne naïe. Que Oyo a quoi adorer la bête. Oyo a quoi adorer l'image de la bête. Donc, ce qui est l'image de Nabucodonosor, ce qui a quoi adorer, c'est, oh, Zambetan a tel ce qui est,
statue wana ezaki na mutu ya lor ya maboko argent poitrine ezalaki ventre kuba jambe ezalaki na le erin makolo ezalaki na fer moitié et moitié argile. Dieu voulait que aye bako se repenti. Nous avons appelé ce qui est temps se repentir. Mais il n'a pas compris la vision, il n'a pas compris le message de Dieu. Aïe, ça, là, il y a mon covenant, ça, il y a une statue. Que mon tuyo soit kumba, mais là. Il y a un zamba, il ne faudra pas qu'il y ait, appelé si il y a, à comme il y a mon témoignama, à tiboua qui a tigné la zamba. À qui revendre quoi pendant 7 ans. La même chose aujourd'hui. Et ce qui va venir, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des gens qui se font adorer dans les églises, les cultes de la personnalité. Cultes de personnalité. Bah, tu vas au coup, mais là, ma pasteur, ma serviteur de Dieu. Poitio Loboko. C'est ces images-là, bien-aimés. Mais dans le temps, Antichrist et Rosala Sukoyo, obligatoire. Ceux qui ont sali en route, on va te tuer. On va te tuer. Donc, leur rôle, il y a faux prophètes. Et Zandewana, comme même à Batounion, surtout, va adorer la statue, il y a Antichrist. Et parmi, tant que Batou va adorer la statue, il y a Antichrist, c'est eux qui vont recevoir la marque de 666. Et tant aux huit marques de 666, bien aimé, à ces temps-là, la porte du paradis est fermée pour toi. Comme je vous ai dit, la marque de 666, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour le moment, pour l'instant. Oh, nous sommes dans la spéculation, ce n'est pas ça. Quand on médite la parole de Dieu, on comprend la prophétie, c'est pour un temps marqué. Comme Daniel a dit, et les Écritures le confirment. Apocalypse chapitre 13, l'on dit, ce n'est pas pour l'instant, c'est à ces périodes-là. Et ce n'est pas l'Antichrist qui va instaurer ce système, mais c'est le faux prophète qui va instaurer, obliger les gens de ce monde, les habitants, de recevoir cette marque d'Antichrist, 666. Mais à ces périodes, à ces temps-là, bien-aimé, Dieu que nous servons, bien-aimé, la Bible dit, notre Dieu est amour. Dieu est bon, bien-aimé. Même si nous sommes infidèles devant lui, lui reste fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est amour. Pendant ce temps-là, que les mondes ont tourné le dos, ils n'ont pas voulu, comme en ce temps, parce que la période est toujours au Kenya. Mkineza, Moutou, Lelo Moutou, habité dans la place dans Zambé. Les gens de ce monde, les grands de ce monde, Bazana besoin d'un zambété. Bazana se confier na mayele na bango, na force na bango, na pouvoir au bazana yango, na bambongo bazana yango. C'est pour cela qu'il règne. C'est parce qu'il domine. Ba pesi nzambe mukongo. Même dans ces périodes-là d'Antichrist, ils ont régné. Mais Zambé, comme un père d'amour, un miséricordieux, un Dieu qui est magnifique, qui veut que l'homme soit sauvé.
dans ces périodes-là, où c'est difficile, Dieu va envoyer des témoins. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Les deux témoins. Dans ces périodes-là où l'Antichrist règne, Dieu va envoyer des témoins. Dieu va envoyer des témoins. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse chapitre 11. Les deux témoins. Pourquoi Dieu va envoyer les deux témoins? Nous voulons comprendre pourquoi les deux témoins. Dieu, son amour, est tant que père. Quand il voit le monde, le lingue, c'est pour cela quand tu lis la parole de Dieu, dans Daniel 8, tu verras que Daniel avait pitié. Ayoki mawa, ayoki somo. Tango, Nabucodonosor a joué ma vision, a eu qu'on interprété, et c'est là qu'il est le côté. A moni ma vision, Betsasa, a moni qu'on commandami, et c'est là qu'il est le côté. Mais tant qu'on a eu qu'on joue ma vision, on y attend de la fin. Zamadan a joué, pèse une explication de l'ango. La Bible dit, il était épouvanté. Et c'est là qui est somme. Et c'est là qui est mawapasi. Non pour lui. Mais pour les gens. Oba komana tawana. Parce qu'il a compris la souffrance. Il a compris comment ce roi-là, l'Antichrist, va traiter les nations, va traiter les habitants de la terre. Et surtout Israël. Mais Zambé na bolingone tant azo comprendre tant wana ndenge kozala. C'est pour cela il envoie les deux ou un. Apocalypse chapitre 11 à partir du premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Là, c'est Jean qui parle. Pendant la vision, Babine mesurait les temples. Mesurer les temples, mesurer l'autel, mesurer ce qu'il adore. Mais laisser les parvis extérieurs, qu'on mesurait en côté. C'est comme Dieu lui dit quelque chose et Seigneur d'ailleurs à comprendre ou à garder. Mais l'autre, pour les nations. Alors vous comprenez que les parvis, ils appellent en moutounion surtout. Parvis, ils appellent en moutounion. Ils appellent comme le corps. Le corps, ils appellent en moutounion, ils accessible de la moutounion. Moutounion, ils ont mon aïe. Mais moutounion surtout à quoi mon âme na yon esprit na yo. C'est la même chose. Les parvis, c'est pour tout le monde, c'est pour les pécheurs. Au bas y a pour qu'on sacrifie et pas une enzambé. C'est pour les pécheurs. Mais les lieux saints, l'autel, les lieux saints, l'autel, quand on parle ici de l'autel, on parle, il y a des autels, il y a autel des reins et autel des parfums. L'autel des parfaits, c'est dans les lieux saints. L'autel des restes, c'est dans les parvis. Alors, habit comme mesure, t'es prêt, bah, tout va quoi adorer. On n'adore pas Dieu dans les parvis. On adore Dieu dans les lieux saints. Pourquoi? Parce que les lieux saints, la Bible dit, l'air vient et il est déjà venu.
où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu dans le corps. Or, le parvis, c'est comme le corps. Mais on adore Dieu en esprit et en vérité. Dans les lieux saints, très saints, là, on adore Dieu. Donc là, c'est réservé pour Dieu. Mais les parvis, Dieu dit, les parvis, c'est pour les nations. Les hommes livrés aux nations, à l'Antichrist, de faire ce qu'il veut. Mais les saints de Dieu, Dieu les prend toujours soin. Bah, oya nzambe, zamba prendra bango toujours soin. Nzamba s'occupera naba oya ye. Dieu d'amour. C'est pour cela, bien aimé. Ne baisse pas les bras. Ko bungi se li ki ate pa ina nzambe. Neti nzamba tiki yo. Non. Dieu n'a pas t'abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Si tu es avec Dieu, tu t'accroches à Dieu, Dieu est toujours avec toi. Malgré les souffrances, les temps difficiles, Dieu est toujours avec toi. Zamba kotika yote, akotika te le diable, ba tentation, ba souffrance, ezala au-delà, ya force na yo. Non, il cherchera tous les moyens afin que on s'en sortit. Accroche-toi à Dieu. C'est comme ce temps, la reine de l'Antichrist. La Bible déclare, dit, laisse ça pour les nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. Nous avons dit, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, 42 mois, et ça, c'est 3 ans. Non, 42 mois, c'est 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi. 12 mois, 12 mois, 12 mois. Et puis, si, combien? 26 mois. 26. Et 36. Et plus 6. C'est 42 mois. Donc, 3 ans et demi. Donc, 3 ans et demi, voilà. Yangon Zamba Pessi, ma nation, va fouler au pied. Ce qui veut dire, la tête de ma nation, c'est l'Antichrist qui règne pendant 42 mois. Mais écoute, la Bible dit ceci. Il ajoute, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sacs pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. 1260 jours égale 42 mois. Qui est 3 ans et demi. Na calendrier en Zambé. Ce n'est pas comme calendrier à Moki. Zamba Pesa, Israël, calendrier, chaque mois à 30 jours. Chaque mois, 12 mois, mon bimézan à 30 jours, 30 jours, 30 jours. Et na 12 mois, mon bimba. Ils ont fait ça 360 jours. Ce n'est pas comme le monde, 365 jours, non. Et pas dans Zambé, ils allaient 360 jours. Alors, on a 360 jours, et pas dans Zambé. Ce qui est au Salango, fois 3,5. N'est-ce qu'on pèse, et ce qui est au Salango, fois, divisé par 1260 jours, égale 3 ans et demi égale 42 mois. Ce que ça dit calcul, tu verras qu'on parle de 3 ans et demi. Les mêmes 3 ans et demi règne l'Antichrist, les mêmes 3 ans et demi que les deux joints
les deux témoins, les deux oliviers, Dieu va envoyer sur la terre et ils vont avoir la puissance du Saint-Esprit. Dieu va leur donner les moyens, tous les moyens de prophétiser, le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut le faire du mal, il faut qu'il soit tué. Et de cette manière, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça, c'est les deux témoins que Dieu va envoyer avec son pouvoir de prophétiser. Ces deux témoins-là, on va l'identifier. C'est qui ces deux témoins-là? Et quels seront leurs ministères, leurs travaux? Biti na bamwe kozala nini? Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu, par son amour, par sa miséricorde, il ne va pas laisser comme ça son peuple. Ou les gens, oh, espoir dans Zambé. Parce qu'il y aura des gens qui vont rester. Oh, bah, quoi, yé, bah, Zambé, n'est-ce pas, toujours, Tu es bête à ton père. Il y en a qui sont distraits. Qui sait? Baza convaincu, ba yebi que non, Jésus-Christ va revenir. Akoya ko zoabiso. L'enlèvement existe. La parole de Dieu est la vérité. Mais bazo ça là-bas, tu as vu dans un autre été. Ces gens-là vont rester. Oyo bazo tambula lo yenge. Ba sambelaka, me balingo tika masumote. Bazo lukelongi na Nzambe en même temps aza deuxième bureau. Bazo lukelongi na Nzambe en même temps aza na mwasi ya batu na ndako. Ces temps-là, ces gens-là bien-aimés vont rester. Bah, quoi, vous comprenez que non? Oh, ma cambangwando est salami. Ça sera trop tard. Mais Nzambe, dans son amour, il va envoyer les déjoints. Qui est ces déjoints? Qui est ces deux oliviers? Parce que, celui qui tangi la Bible dans le livre de Zacharie, chapitre 4, prophète Zacharie, chapitre 4. Zacharie a eu une vision. Il y a des chandeliers. Il y a des témoins. Quand il a posé la question, dans verset 14, ce que au méditer en Onyonsu, tu verras Makamboyo Zacharie à Monaki. Dans verset 13 à 14, la Bible dit, il me répondit, ne sais-tu pas qu'il signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les déjoints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc Zacharie a déjà prophétisé. Tout est prophétique. Zacharie a déjà prophétisé. Zacharie a déjà vu ces choses.
Il a déjà vu ces choses. Et Jean aussi a vu que les deux joints, les deux témoins, les deux oliviers, ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de gloire. Et qui sont ces deux joints? Selon la parole de Dieu, les gens qui au bas savent-ils, ils ont dit, les autres ont dit, c'est Élie et Enoch. Pourquoi? Parce que Élie et Enoch n'ont pas connu la mort. Bazaki enlevé. Donc comme Bazaki enlevé, ils n'ont pas connu la mort. Or la Bible dit que non. Batunio se fout pas les cas par la mort, mais Bango Bazaki enlevé et Koroza la Bango. Alors, il y en a qui se disent non, c'est Élie et Moïse. Pourquoi Élie? Parce que tout d'abord, la Bible dit ceci. La nina que na ombango na Malachie chapitre. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. La Bible dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Ça, c'est la prophétie de Malachie par rapport à Élie qui va venir. Or, quand on lit la parole de Dieu, dans les livres de Jean chapitre 1er ou dans les livres de Matthieu chapitre 17, nous voyons que Élie, la Bible dit ceci, que Jésus, quand les disciples ont posé la question à Jésus, que les gens disent, on va le lire dans Matthieu chapitre 17. À partir du 10e verset. Les disciples lui disent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablit toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Là, Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste, qui a l'esprit d'Élie, pour ramener les cœurs des enfants à leur père, les cœurs des pères à leurs enfants. Mais cette prophétie, ça va s'accomplir dans sa totalité, dans les périodes des deux joints, dans les périodes de la reine de l'Antichrist. Parce que quand nous lisons, nous examinons très bien, bien aimé, la prophétie de Malachie, nous verrons ces choses. Que voici, j'enverrai Élie le prophète avant les jours de l'Éternel arrivent. Les jours de l'Éternel, c'est le jour de sa colère. C'est le jour de sa colère. C'est pour cela qu'il dit le jour grand et redoutable. C'est le jour de sa colère. C'est le jour de la vengeance.
C'est le jour où il va donner la rétribution à Satan et tous ses acolytes. Avant ce jour-là, c'est pour cela qu'il dit de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Donc Dieu va envoyer Élie pour qu'il prêche, pour qu'il prophétise à Israël, aussi à l'église apostate, ou l'église au Bakotika. Le peuple de Dieu au Bakotika en attend l'enlèvement. Et les habitants de la terre. C'est déjoint Élie. Parce qu'ils n'ont pas donné le nom, mais il y a les indices qu'on a donnés par Apocalypse chapitre 11. Où ils ont certifié que c'est Élie qui vont venir. Et ce jour-là, comme Zambé, avant Abeta, à Ebarakosa Adini, qu'on avertit. Ko yebisa. Ko loba likambo avant yango ya sala ou bien avant yango ya. Avant que Christ aya. Pona koyeba ko frapper l'antichrist et son royaume, ses acolytes, Dieu a envoyé des joints. Et ces des joints-là, parmi eux, Élie est là. Parce que c'est déjà prophétiser. Et il y a encore un autre indice. La Bible dit ceci, que quand dans le livre de Matthieu toujours 17, à partir du premier verset, ce que Tangi Yango, dans Yeshua Messie a joué, puis Jean-Jacques, et Pierre, Matin Angomba, et puis, un temps donné, il y avait la figure de Jésus-Christ qui s'est transfigurée. Il y avait la gloire de Dieu. Et la Bible dit, il y avait deux hommes qui sont apparus. L'un à gauche, l'autre à droite. Et il y avait Élie qui était là. Il y avait Élie qui était là. Dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, ces deux joints-là sont toujours devant le Seigneur. Sont dans la présence de Dieu. Oh, Nathan, il y a transfiguration. Ils étaient là. Ils étaient là. Donc c'est Élie qui doit venir avant les jours redoutables et grands, les jours de l'Éternel. Avant que l'arrivée de Jésus, avant que Jésus-Christ vienne régner sur la terre, faire la guerre, finir avec les diables, les deux joints vont venir pour prophétiser. Donc leur ministère, c'est pour prophétiser. Parce qu'ils sont des prophètes. On va les voir. Ils sont des prophètes. Il dit aussi que dans. Il dit aussi que Élie, c'est parmi les deux joints là, il y aura quelqu'un. Bah, vous en avez pouvoir. Dans verset 6, il y a Apocalypse 11. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Pendant les jours de leur prophétie. Or, pendant les jours de leur prophétie, ils en ont 3 ans et demi. Donc, pendant les jours de leur prophétie, il y a 3 ans et demi, bazan a pouvoir, yako kangali kolo. Oh, moutouazaki na ministère,
Na autorité, yako kangalikolo se Eli. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Pendant combien? Pendant 3 ans et demi, Eli a fermé le ciel. Pendant 3 ans et demi. Nikolo mboulebetate, pourquoi? Parce que Israël, comme étant église, était apostat. Et comment qu'il apostat? Il a abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils ont abandonné la foi. Ils ont profané temple de Dieu, Nathan et Akab et Jézabel. Donc, quand on voit ces choses-là, ces indices-là, on comprend que non, c'est Élie qui va venir. Mon coeur est abattu, témoin, Élie est là. Et l'autre, c'est Moïse. Pourquoi Moïse? C'est parce que Moïse, corne et mon anaté. Sur le temps de Jude, chapitre 1, verset 9, tu verras que non, ange Michael et Satan, disputa corps à Moïse. Parce que Satan a voulu prendre le corps de Moïse. Et Zamba dit non, non, non. Et ils ont discuté. Et Zambé a longa a joué corps à Moïse. Corps à Moïse et mon anaté. Ça, c'est le 1. Le 2, c'est Moïse qui était à Paris dans la transfiguration. Il y a Jésus-Christ. Et Moïse était là à côté. Et troisièmement, Ézéchiel, la Bible dit, pendant le temps de la prophétie, de temps, il y a ministère, au bas comme ça, la Bible dit que, non, ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Or, Moutouazan a capacité wana, or, c'est le ministère wana, c'est le moussala wana. C'est Moïse. Dans l'Égypte, il a frappé. Quand on lit la Bible dans les livres d'Exode, chapitre 7, verset 20, et puis Exode, chapitre 9, verset 24, nous voyons que non, c'est Moïse qui avait le pouvoir. Il y a qu'au frapper maï, comme il bon wani, makila. Il n'y a qu'au frapper Égypte, parce que l'Égypte, c'est le monde. Il n'y a qu'au frapper Égypte, mais Égypte, Jésus va appeler. C'est Moïse. Donc, quand toujours on étudie la Bible, la prophétie biblique, nous comprenons que donc ceux qui vont venir, c'est Élie et Moïse. Et ce qui te tangi na souka, nous allons comprendre que non, dans verset 10, il y a Apocalypse 11. Balobi, et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans les graisses et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que c'est des prophètes. C'est des prophètes. Na 10, ma bengi bango, les deux prophètes. Oh, Moïse et Élie, c'était des prophètes. C'était des prophètes. Ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc, 3 ans et demi, Oyo, les deux joints, les deux prophètes, les deux oliviers, les deux témoins, Obako Yana Mokili, la période où il y a règne et antichrist, ils vont tourmenter toute la terre.
les habitants de la terre seront tourmentés par les prophéties. Parce qu'ils auront la puissance de Dieu. L'esprit du Seigneur. Pour la même chose, pour accomplir leur ministère. Moussala oba kwa yako sala. Alors, moussala nini oba kwa yako, message nini oba kwa apporter. Parce que dans la période où l'Antichrist règne à maître dans ce monde, à ce que yé bako ko konzanyo surtout, nini bako yé bako loba, message nini bako yé bako porter. Et un message beaucoup bien aimé pour que le peuple de Dieu et la Israël, et la wa oyo bandoko tia misu na bangwe pa ina kolo. Parce que dans la période oyo, il y a grande tribulation. Oyo l'antichrist va piétiner tout le monde, va faire tout ce qu'il voulait. Parce que les parvis et peut s'améliorer. Les mondes et peuvent s'améliorer, les nations, les habitants de la terre et peuvent s'améliorer à ça là-bas en Oyalingi pendant 3 ans et demi. Mais la Bible dit bien aimé, comme Nzambe za bolingo, il va envoyer ses déjoints pour que bayebako conscientiser. Le peuple de Dieu. Quand je parle le peuple de Dieu, ezala Israël, ezala peuple de Dieu comme église oyetikali, l'église apostat. Oyeza qui distrait les 5 vierges folles. Obakotika. Nzambe na bolingo na koti dans les désoins pour babako prophétiser pour na bango. Ils vont prophétiser. Et leur message sera que pour avoir vertu un peuple de ne pas adorer les diables, de ne pas adorer l'antichrist. Parce que l'antichrist, n'est-ce que tu vas qui colomber là, et les faux prophètes, oyo, la deuxième bête à kobima na mokili, yétan à koya ko salani. Ako ebako obliger les habitants de la terre basa d'abord image l'antichrist et puis baba na ko adorer l'antichrist. Alors les deux joints bakoya, ils vont prophétiser, prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Bakoya te ba prophétiser dans deux sens. N'est pas adoré l'antichrist. Bako conscientiser le peuple de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Que va adorer le diable était. Va adorer l'antichrist était. Mission de Bango Kozala Yangwana. Et puis, deuxièmement, qu'on encourage le peuple de Dieu. Ben, bako persévérer. Malgré souffrance. Malgré. Ma kambo yo bako kouta na yango. Ben, c'est toujours ferme na foi. Ben, persévérer dans la foi. C'est pour cela, vous verrez, Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13. Tellement ma bé et cause à la mingi na sena moi. L'amour de beaucoup de gens refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bako yala message wana pour le peuple de Dieu. De rester ferme. Persévérer. C'est pour cela, bien-aimé, quand nous lisons la parole de Dieu,
Dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, vaut mieux bobo mangai que n'a régné le Christ. Parce que les deux joueurs là, bah, qu'il y a un message, ou qu'on contredit message antichrist. Parce que l'antichrist, message, n'a eu enseignement, n'a eu qu'on s'en a été, bah, régner le Seigneur. Que y ait le Messie. Alors, tant que bah, les deux joueurs, bah, qu'il y a un message pour qu'encourager le peuple de Dieu. Bah, ça la ferme la foi. Bah, bah, qu'on persévérer jusqu'à la fin. Pour que, bah, ça la sauver. Parce qu'à ce temps-là, il n'y aura pas le Saint-Esprit. 3 ans et demi, là, le Saint-Esprit est déjà parti avec l'Église. Et par là, faut la ferme la foi. Faut ni ma babo mayo. Na zongi sous na Daniel, les trois compagnons à Daniel, ils ont dit non, nous n'adorerons jamais cette statue. Bon, ça là, oh, beaucoup de ça, mais biso to kokumba, mais la statue oyote. C'est ça le principe. C'est ça la discipline. Même aujourd'hui, bien-aimés, restons fermes dans la foi. Persévérez. Même si les choses ne marchent pas, c'est le même message, bien-aimés. C'est le même message qu'on va porter dans Tawana. C'est le même message que nous apportons aujourd'hui à l'église du Seigneur. Que de rester ferme malgré les temps difficiles, malgré tout ce qui va arriver bientôt, lobby wana. Restons fermes, persévérez dans le Seigneur. N'adore pas la statue, n'adore pas les diables. Parce que tant que vous allez à l'issoumo, vous allez adorer les diables. Tant que vous pratiquez le mal, tu adores les diables. Restez ferme. Quand vous dites que non, Nazari n'a choix. Non, tu as le choix. Tu as le choix, bien-aimé. Tu as le choix. Vaut mieux mourir avec Christ qu'avoir de l'abondance sans Christ, bien-aimé. Combien va sauter Kabanzo ton abango pour na kozwa bomengo? Combien va sauter ka âme na bango pour bamo bazwa gloire? Notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable a monicié, bon, mais moi, mon kidoyo, a vu kumba melangaï, na opesso yango, mais il a refusé. Il a refusé. Il nous a montré l'exemple. Oh, il s'est dit, il a suivre. Combien aujourd'hui, pour la likamba poste, bah, te ki banzo ton avant.
bien aujourd'hui pendant les cambo ya lokumu ba mona ya zo tambula na ba merco ya dernier cri ba mona ya zo tambula na boye ba mona yebo ba ndako bien makambo ebele ebele. Ils ont adoré les diables, ils ont vendu les âmes au diable. Bien-aimé, ne les fais pas. Ce sont des messages où il va déjouer, on attend wana, la période wana. Mais aujourd'hui, nous, étant que les témoins de Christ, les témoins de Jésus, nous, tes nations, nous t'annonçons ces choses. Si vous êtes à Makamwana, tika bien-aimé. Jésus revient bientôt. Sinon, on reçoit vidéo, on s'allie en révision. Dans ces jours-là, bah, moi, on a pété. Parce que pour nous rejoindre à Internet, il faut se la peine à 666. Parce que tu ne peux pas avoir des choses sans avoir adoré les diables. L'antichrist, en ce temps-là, et vous allez faciliter, bien-aimé. C'est pour cela, c'est aujourd'hui, et le Seigneur n'a eu se préparer. Le Seigneur n'a eu se préparer. Ils vont annoncer encore au peuple de Dieu que Jésus-Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ va venir. Et aussi vont annoncer ces choses. Que tiens-toi bon. La gloire arrive. Le Seigneur de gloire arrive. Il viendra pour régner dans ce monde. Tiens bon. Et ça, quand la période a manqué, 3 ans et demi. Ça ne sera pas facile. Oui, bien aimé, ça ne sera pas facile. Moi, mon cœur, tout ça, la facilité aujourd'hui, il y a qu'au bon guichabon, mon inabisso. Il y a qu'au mettre en ordre, parce que nous avons le Saint-Esprit. Ouais, on peut être sous capacité, il y a qu'au vaincre les péchés. Il y a qu'au cimenter le mal. Il y a qu'au bon guichabon, mon inabisso. Il y a qu'au craindre Dieu. Mais, dans la période de Wana, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils ont, dans effort, dans yomoko. C'est pour cela que nous avons retenu les 2 jours-là pour nous prophétiser. Pour nous prophétiser, bien-aimé. Mais ça ne sera pas facile. Nous avons apprécié ce temps où il y a une grâce. Temps où nous avons apprécié ce temps où il y a une grâce. Pour que nous tenions. Pour que nous ayons c'est oui, oui, bah, qu'on s'est préparé. Parce que dans l'antichrist, les choses seront autrement. Les choses seront autrement. Ils seront là, bien-aimés, de dire au peuple que Jésus va revenir. Jésus revient pour détruire la règne de l'antichrist. Il viendra détruire la règne. L'antichrist. Il va mettre fin au royaume de l'antichrist. Ils seront là, bien-aimés. Comme aujourd'hui, nous t'exhortons. Nous t'exhortons, bien-aimé. Laissez tomber. Makambo zoko luka wana. Oye kome mayo nulle part. Oye kome mayo nulle part. Au contraire, et qu'on fait foncer yo. Na makambo yo. Oye koka ko s'en sortir ni soussouté. C'est le temps, bien-aimé, d'arrêter la compromission, d'arrêter d'adorer les diables, d'arrêter l'impudicité,
Bien-aimé, c'est le temps de se convertir. C'est le temps de se repentir. De servir Dieu avec honnêteté et crainte. Comme l'apôtre Paul le dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, bien-aimé. En ce jour-là, bien-aimé, sera terrible et redoutable. C'est le jour où les choses vont mal passer. Jésus-Christ va venir, mais après 3 ans et demi, il n'y a rien à dire. Pendant ces 3 ans et demi, il va envoyer les 2 oies pour encourager le peuple de Dieu, pour avertir le peuple de Dieu, pour l'annoncer que Jésus revient dans son règne. Mais ça ne sera pas facile. Dieu t'accorde encore cette grâce. Comme je vous ai dit, la Bible dit, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas ton cœur, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. C'est en ces temps-ci, bien-aimé, la nécessité de s'accrocher à Dieu. De s'approcher à Dieu. D'être honnête avec Dieu. Dans ces périodes-là, ce sera un peu trop tard. Mais grâce à notre Dieu, son amour, il va envoyer les 2 oies. Mais ce ne sera pas facile. Un peu de la facilité nous est donnée en ce temps de la fin. Avant l'enlèvement, Dieu t'exhorte, Dieu te dit, quitte ce chemin-là. Quitte. Je vais encore parler beaucoup de choses quand je vais parler sur l'enlèvement. Qui seront enlevés? Je vais encore marteler ces choses. Je vais encore entrer en profondeur de ces choses. Les 2 oies, Élie et Moïse, vont venir prêcher la parole, encourager le peuple qui vont rester, afin que va jouer 666 cités, afin que va adorer l'Antichrist été. Mais ce temps nous est donné, toi et moi. Total abo moïna biso. Si aujourd'hui tu meurs, tu seras où? Si aujourd'hui Jésus-Christ revient, avec vos églises, est-ce que tu vas partir? Si tu vas rester, voilà les choses qui vont suivre après l'enlèvement. Nous allons continuer notre enseignement. Parler maintenant de la venue du Seigneur, de sa puissance, de sa gloire pour régner dans cette terre. Dès tout le troisième venue du Seigneur, en personne, physique. Et qu'est-ce qui va se passer à ce temps-là, après les 3 ans et demi? Fermons nos yeux. Banakobon de l'Anzambé. Yomto, Olandi, Oyoki,
que Dieu t'a parlé. Il y a quelque chose que tu as reçu. Il y a quelque chose que tu as compris. Bondela langue pa ina nzambe. Que Dieu a sunga yo. Que nzamba soutenir yo. Et que ozala vraiment accroché na persévérance, na fermeté. Même si les choses ne marchaient pas. Même si les choses n'allaient pas comme tu veux. Mais bondela nzambe na bomoi. Que le Seigneur a soutenu par son esprit. Nathan oya pe biso molimo mo santu. Nathan oya zala biso elongo. Bondela nzamba sunga yo ete oye bako mettre en ordre ta vie avec le Seigneur. Oye bako se réconcilier avec le Seigneur. Oye bako ko s'attacher avec le Seigneur. O servir na crainte pe tremblement. O servir na bobangi nyonso tout de peur que oye bako perdre couronne na yo. Banda ko bondela nzambe, banda ko senga lisungi na nzambe, banda ko senga la force, banda ko senga ete zambe azala na yo elongo, atambola na yo, asoutenir yo. Lolenge apôtre Paul azokoloba pour à cause de l'excellente connaissance de Jésus-Christ, j'ai abandonné tout, j'ai abandonné tout. Et le coma cambo na bande comme on a gain pour n'angai na monengo na monengo comme perte na boaki yango na tiki yango na sandi yango yo mutozo yo kangai bien aimé parce que zo komi lobela soki na tiki papa wana na kosuka wapi yende mutu asala kangai na zala. Yende mutu asunga kalibota nanga. Yende mutu asunga kangai. Iso na tike na wokende wapi. Bien aimé. Ezande l'enfer ozo se prepare. Ezande li felo ozo se prepare. Ozo ko banga wana na mosuni lelo oyo. Oko vivre yangonde en life. Pendant des siècles des siècles. Mieux vaut, bien aimé, de souffrir dans tant où ils ont manqué que de souffrir des siècles et des siècles en enfer. Ce côté qui est, le Seigneur va t'aider. Ce qui a abandonné ses chemins, le Seigneur va prendre soin de toi. Banda ko bon de l'ensemble. Oh, le Seigneur de gloire. Bon de la colonne, bon moya soutenir yo. Dans ma période, oyo, bon de la zamba soutenir yo. Il n'y a que lui, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur de gloire est là pour te soutenir. Merci Jésus. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Yahweh seul, nous ne serons pas. Seul, Seigneur, tu quoi arrivé t'es, la destinée, tu quoi arrivé t'es. C'est pour cela, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, l'aide. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, le Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Yomutu oyoki maloba nzambe. Yomutu recevoir quelque chose de la part de Dieu. Accroche-toi. Tamboula na nzambe malgré les difficultés, malgré la souffrance. Vaut mieux au souffrir na paix de temps oyo tikali na yango que au sepela na paix de temps oyo na makambo oyo ezo pesa nzambe lokumu te et après oyo bako souffrir toute ton éternité na kati na enfer.
Bien-aimé, c'est le temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il vient bientôt. Il est là. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.